has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Badass, badass, badass. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play de Nous Jouons à Darkest Dungeon, le jeu dont vous êtes les héros. Je vous explique plus tard pourquoi vous êtes les héros de ce jeu. Alors, Darkest Dungeon, qu'est-ce que c'est? C'est un crawler, action, RPG, point and click, survival, hardcore, roguelike, legacy-like... Je crois que j'ai rien oublié, c'est un jeu super bizarre et j'ai jamais vu un truc comme ça. Et c'est vraiment très plaisant, j'ai passé quelques heures dessus déjà et j'adore ce jeu déjà. J'ai regardé pas mal de vidéos de Northern Lion aussi, enfin celle qu'il a sorti jusque maintenant, 5 ou 6. Et j'ai joué dessus pour histoire de pas être totalement nul. Donc, ce jeu vous pouvez l'avoir pour une vingtaine d'euros, ce qui est assez cher, je vous l'accorde, pour un early access. Mais ça vaut le coup, c'est un jeu qui est magnifique, déjà vous avez pu le voir dans la cinématique, c'est très joli, la patte graphique est de toute beauté, et le reste est à son égal, enfin c'est très beau, la musique est bien faite, et le gameplay, je me lasse pas de ce gameplay. Donc on va commencer une nouvelle aventure pour le YouTube, et on va l'appeler YouTube. Avec une majuscule au Y, je suis peut-être un petit peu maniaque avec cette histoire de majuscules, mais j'aime bien quand il y a des majuscules au début. C'est parti! You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. En effet. Donc voilà, le pays a l'air un petit peu ravagé, un petit peu dans le mal. Donc il va falloir qu'un nouveau shérif se charge de ramener la lumière. Ou plutôt plusieurs nouveaux shérifs, parce que on peut incarner plusieurs héros à la fois, et les héros ont tendance à bien défiler, parce que comme j'ai pu vous le dire, le jeu est hardcore, et du coup, bah, les héros vont,
vont défiler, ils vont mourir. Tout simplement, ça arrive, hein, c'est la vie. Donc, ce jeu se présente comme ça, on marche, on recule, c'est sympa, on tous joue à la souris si vous voulez. D'un point de vue général, c'est très facile de jouer au jeu, c'est très difficile de bien jouer au jeu. Donc, il faut aller de salle en salle. Donc là, je vais me déplacer vers cette salle-là et vous voyez que j'emprunte le petit chemin. Blablabla. Et il va y avoir des événements aléatoires qui vont se produire sur le chemin et quand j'arriverai à cette salle. Et il faut essayer de survivre à ces événements aléatoires qui sont pas souvent très agréables. Le jeu est entièrement en anglais, donc je vous traduirai un petit peu ce qui est nécessaire de traduire. Mais c'est assez facile de comprendre le principe, même si vous parlez pas très bien d'anglais. Alors, tuer l'ennemi, ce jeu est basé au tour par tour, et il faut faire des actions particulières pour tuer les ennemis. Donc, il y a plein de choses que je dois vous expliquer, et c'est compliqué parce que ce jeu est vraiment très très riche, même si c'est un early access, il y a tellement de choses à dire dessus. Bon, on va commencer par la base. Il y a des positions, par exemple lui est derrière lui, et du coup il y a des attaques qu'il ne pourra pas faire. Le pistol shot par exemple est gris, puisque je peux tirer que sur les trois derniers ennemis. Oh là là, je sens déjà que je vais rater cette explication. cet ennemi là est tout seul, donc il est considéré comme étant en première ligne, et du coup le pistol shot n'est pas allumé pour la première ligne, donc c'est une attaque que je ne peux pas utiliser sur cet ennemi. Parfois il y a certaines attaques que je pourrais utiliser seulement dans une position particulière, du coup il faudra que je déplace un personnage par rapport à un autre. Bon, pour l'instant c'est le tutoriel, donc je vais lui ouvrir les veines tout simplement. Pour savoir combien de dégâts va faire une attaque et les chances de toucher, tout ça, vous regardez les trois dernières lignes. Hero to hit, ça c'est les chances de touche, là 83% ça va. Hero to crit, les chances de critique, et hero damage, les dégâts attendus, de 4 à 9. Toc et 8, c'est pas mal, c'est pas mal du tout, et en plus je le fais saigner. Paf. Bon, pour l'instant, pour le tutoriel, j'ai pas grand-chose à en dire, on va zapper ça rapidement. Ça sera plus intéressant ensuite, parce qu'on peut avoir jusque 4 champions et tuer jusque 4 ennemis à la fois. De temps en temps, il y aura des choses comme ça sur le chemin, et on peut choisir de les fouiller ou de pas les fouiller, d'utiliser un objet pour mieux les fouiller, enfin c'est... Et du coup, dedans, il peut y avoir des trucs bien, genre là, il y a de l'onyx et de l'or, c'est bien. Ou alors ça peut être piégé et on s'en prend encore une fois plein la figure. Hop, on va entrer dans la salle suivante. Et tadadam, il y a un combat. Ce qui est bien, c'est que j'ai surpris les ennemis, du coup ils vont perdre un tour. Je vais avoir le temps de bien les taper. Alors, j'ai l'attaque pour ouvrir les veines, c'est une attaque qui va faire des dégâts et qui va avoir une chance de faire saigner, elle est pas mal. Maintenant qu'il y a un ennemi à l'arrière, je peux utiliser mon pistol shot pour tirer sur lui. Hop. Je peux utiliser cette attaque là aussi qui touche les trois premiers ennemis. Donc là elle fera du dégât aux deux ennemis. Mais elle fait pas beaucoup de dégâts parce que bon c'est une attaque en AOE, donc ça fait moins de dégâts qu'une attaque ciblée évidemment. Mais je pense que je vais commencer par tuer le gros lard. Seulement 4 points. Excusez-moi. Seulement 4 points de dégâts, c'est pas beaucoup. Ça sert à rien que j'utilise mon attaque qui le stun parce qu'il est déjà stun comme il est surpris. Donc on va faire du gros dégât. Hop, tour numéro 2. 8, ça c'est pas mal. Et il saigne pour une deuxième fois, du coup il perd 4 points de vie. Bien joué! Alors, mal joué. Et oui, de temps en temps, il y a des dodges d'un sens ou dans l'autre, et du coup, il y a pas mal d'aléatoires dans ce jeu quand même. Donc, j'espère que j'aurai autant de chance que sur une autre série bien connue. Mais bon, on sait jamais. Alors, le gros lard va mourir de saignement, voilà. Et du coup, le fusilier va arriver en première ligne, et du coup, il sera totalement inutile parce qu'il est pas censé être en première ligne. Donc, à partir de maintenant, il est plus vraiment dangereux. C'est beaucoup de stratégies comme ça, ce jeu, les placements d'ennemis, les placements de nos propres héros, tout ça. Il faut bien réfléchir à toutes les actions qu'on fait, parce que ça peut vite devenir un vrai carnage. Et je pense que vous allez voir de quoi je parle bientôt. Autre chose, ce qui m'a intéressé dans Darkest Dungeon, j'ai oublié le principal, c'est... je vais pas finir le combat tout de suite, sinon je pourrais pas vous montrer. Le système de stress. Là, vous voyez, en dessous de ma vie,
j'ai un petit indicateur qui marque 10 sur 100. C'est le stress, ça veut dire que si j'arrive à 100, le héros va devenir incontrôlable, ingérable, il va saper le moral des autres héros et ça sera un peu la débandade. Même s'il a toute sa vie, il deviendra un poids mort, un boulet même. Donc il faut éviter de faire grimper le stress, donc le stress ça grimpe dès qu'on se prend des coups critiques, ou alors dès qu'on se prend des pièges, dès qu'on fait des mauvaises actions, enfin... Dès qu'on est dans le noir aussi, parce qu'il y a un système de torches, comme vous pouvez le voir là, je peux brûler des torches, j'ai pas de torches, tant pis. Pour raviver la lumière, donc s'il n'y a plus assez de lumière, nos héros deviennent stressés plus vite. Et en tuant des ennemis, on se soulage un petit peu du stress. Comme là par exemple, j'ai perdu 4 points de stress. Voilà, le tutoriel est terminé. Et du coup on a gagné plein de sous, 5000 gold et 850 trouvés par terre et un portrait qui servira à upgrade la ville. Nos héros ont level up et celui-là a des nouveaux... Enfin, a une nouvelle caractéristique, donc on va voir ce que c'est. Ah, c'est une caractéristique négative puisqu'elle est en rouge. Donc voilà, nos héros ont aussi des traits de caractère. Donc ils peuvent être kleptomanes, avoir peur de Dieu, avoir peur du noir, ou au contraire avoir des bons caractères comme détester les humains, ça veut dire qu'ils vont les tuer plus facilement, etc. etc. Là en l'occurrence il a peur des Eldritch, je sais pas trop ce que c'est un Eldritch, mais en tout cas il gagnera plus de stress contre ce genre d'ennemis et il sera moins précis, donc il va falloir prendre ça en compte. Ok, on va arriver aux villes. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand chose de débloqué en ville, tout est fermé et barricadé comme vous pouvez le voir. Je peux aller au cimetière mais j'ai pas de héros qui y sont morts donc ça sert à rien. Et ce que je vais faire tout de suite c'est recruter de nouveaux héros. J'ai un docteur de la peste et une seeker vestale, je sais pas trop ce que c'est, une prêtresse. Et avec les sous que j'ai, les items qu'on m'a déjà donné dès le début, je vais pouvoir upgrade ça pour avoir plus de héros la semaine suivante. Parce que c'est quand même vachement utile de pouvoir recruter plein de héros. Parce que s'il arrivait qu'il y ait des gens qui meurent, faut bien que quelqu'un prenne la relève. Hop, donc en upgradant deux fois ça, je peux avoir 4 héros au lieu de 2 la semaine prochaine. Donc on verra ça plus tard. Et là où ça va devenir intéressant pour vous, parce que je vous rappelle que le titre de cette série et le jeu dont vous êtes les héros, c'est que on peut rename les héros. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de marquer dans les commentaires, enfin dans les commentaires, je mettrai un commentaire qui dira « Pour participer à la grande aventure, c'est ici », et vous allez marquer vos pseudos, et je vous ajouterai en tant que nouveau personnage dans un épisode futur. Et comme ça, vous pourrez participer à l'aventure. Donc je sais pas si vous deviendrez un héros surpuissant niveau 53 ou si vous allez vous faire crush et écrabouiller par le premier squelette venu. On verra, ça peut être fun. Je pense que c'est vraiment fun de faire ce genre d'aventure parce que moi, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir de voir mes précieux paramètres se faire déchiqueter par, par les ennemis. Non, je rigole. Tant qu'à faire, je vais essayer de vous laisser en vie parce que bah, sinon je perds le jeu. Mais je peux rien vous promettre, hein. Ça sera un peu le jeu de la chance et du hasard, c'est est-ce que vous allez rester en vie et devenir puissant, ou est-ce que vous allez mourir? J'attends d'avoir vos réactions et vos participations. Voilà, donc si vous voulez participer au prochain épisode, vous mettez votre pseudo en dessous de mon commentaire, et on va jouer tous ensemble, on va explorer les donjons maléfiques et dangereux tous ensemble. Bon, ceci étant dit, comme c'est le premier épisode, personne n'a encore participé, donc je vais juste mettre les noms de mes... Enfin, les pseudos de mes potes IRL. Alors, ce chevalier-là, ce sera... Cal. Le voleur, ce sera... Toz, parce que... Bon, non, Toz n'est pas un voleur. Mais il aime bien jouer ce genre de personnage-là avec... Enfin, dans les RPG. Le docteur, ce sera... Moi, évidemment. Et la femme, ce sera Roux. Forcément, voilà, Roux, la victime, vous connaissez. si vous êtes allé sur le live, vous connaissez. Voilà. Donc maintenant que notre équipe est prête et qu'on a nos 4 petits soldats, on va pouvoir lancer la première mission. Donc celle-ci, c'est de compléter 100% des batailles dans les salles pour avoir ce genre de récompense. Donc bon,
bah, de toute façon on va faire ça, il n'y a que ça de disponible. Donc il faut préparer notre équipe, on va mettre le gros chevalier Cal à l'avant, le bandit juste derrière, moi je vais me mettre tout au fond, et Roux se mettra là je pense. On peut voir où sont, enfin où les personnages veulent bien se placer en cliquant droit, et là on voit que Roux par exemple il adore être en troisième position, donc on va le laisser là. Ses cibles préférées ça sera à l'avant, donc bon d'accord, moi ça me va. Moi j'aurais préféré être en troisième position aussi, c'est dommage. Ok, et puis là il y a des sorts, les sorts débloqués sont aléatoires, donc tout est aléatoire, c'est magnifique ce jeu. Les missions ne se ressemblent jamais, même si on les fait plusieurs fois. Bon ben je crois qu'on est fin prêt, allons-y. Avant de commencer la mission, il va falloir se préparer, acheter du matériel. Donc déjà, je vais acheter de la nourriture parce que sinon, je vais mourir de faim, tout simplement. Ça semble un petit peu stupide à dire comme ça. Des torches pour pas me retrouver dans le noir complet et stresser à mort. Et je vais prendre des Skeleton Key et Holy Water pour et une pelle. Mais ça, je vous en parlerai si on croise, enfin si on trouve l'occasion de les utiliser. C'est pas nécessaire de les acheter, mais ça peut être sympa. Donc là on a la carte, je vais commencer par aller en bas parce que ça m'évitera de backtracker tout le chemin s'il y a un combat dans cette salle, parce que je vous rappelle que je dois faire tous les combats dans les salles. Hop. Donc là je suis sur le chemin vers cette salle. Est-ce que je vais me prendre des pièges? Est-ce que je vais me prendre des combats? On verra. Ah, déjà il y a une boîte qui contient des parchemins, bon bah c'est bien. Ça me sert à améliorer ma ville. Oui ma ville tout simplement. Alors ça, un hôtel de lumière. Soit je peux prier sans rien mettre et ça peut faire des choses bien ou ça peut ne rien faire du tout. Soit j'utilise une holy water et là je suis sûr que ce sera un effet positif. Donc je me suis fait buff pour plus 30% de dégâts, c'est énorme. Ah et voilà le premier combat. Je suis prêt. Alors cet ennemi là il fait pas de dégâts du tout, mais par contre son attaque elle stresse à mort mes personnages, donc il va falloir que je le tue rapidement. Toz, qu'est-ce que tu peux faire mon petit Tozoudé? Il peut ouvrir les veines comme on a vu tout à l'heure. Maintenant qu'il y a des ennemis à l'arrière, il peut tirer au pistolet. Mais ce qu'il peut faire et qui est vraiment bien, c'est ça. Ça sert à tirer au pistolet sur les trois premiers ennemis, donc ça fait pas des dégâts énormes, mais au moins ça l'a fait sur trois ennemis, donc au cumulé c'est peut-être une bonne chose, je pense. 5-5-3, pas mal. Cal, il peut faire cette attaque qui va toucher les deux premiers ennemis pour 6 à 12 de dégâts, et étant donné qu'ils ont plus que 7 points de vie, ça a de fortes chances de tuer, si ça touche, parce qu'il y a que 78% de chances que ça touche. Ça a touché, et ça a tué. Et du coup, j'ai 8 points de stress enlevés. Roux, c'est un peu le healer de la team, mais comme il n'y a personne à healer, il va faire du dégât. Et ça, c'est une attaque pour stun. C'est pas mal du tout. Je pense que je vais faire ça pour gâcher le tour de cet ennemi. Ah, bah il a dodge. T'es mauvais, Roux. À moi de jouer. Plague grenade, ça c'est pour taper les ennemis à l'arrière, donc il n'y en a plus parce que tout le monde est mort. Incision, il faudrait que je sois plus près pour pouvoir le faire, donc je pense que je me mettrai en troisième position à partir de la prochaine fois. Et désorientation, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je peux faire que ça. Une petite grenade qui a une chance d'empoisonner, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Maintenant qu'il est en premier plan, cet ennemi-là, il sait plus faire grand-chose parce que c'est pas son rôle, donc il va juste donner des petits coups de couteau qui vont faire aucun dégât, donc il est pas dangereux du tout maintenant. On va juste le finir. Bien joué, Toz. De l'antivenin, de la food et... Enfin, de la nourriture et de l'or, c'est bien. Allez, on va entrer dans la salle. Qu'est-ce qui nous attend? Un combat ou un trésor? Les deux. Un sarcophage et un combat. Ah, et j'ai oublié de changer de position. Derp. Illumination, ça sert à debuff, donc ça peut être sympa parce que ça peut toucher à n'importe quelle position. Par contre, je crois que ça a pas beaucoup de chance de hit. Ouais, 73, 62, ouais, c'est pas... Ça a pas beaucoup de chance.
Je peux stun un des deux là. Ouais, je vais quand même le faire. Allez. Et ça la debuff. Bien joué, Roux. Toz, il vient encore faire son coup qui touche tout le monde pour 4, c'est bien. Un dodge, ça fait plaisir. Eh, j'ai vraiment une équipe de PGM. Moi, je vais utiliser ma Plague Grenade pour empoisonner les deux ennemis de l'arrière, qui sont les cibles prioritaires, généralement. Ah, et je me suis fait dodge. Bon, au moins, j'ai réussi à toucher le petit gars derrière. Il va essayer de tenter Cal, et il lui inflige 15 points de stress et un petit peu de dégâts. Mais c'est surtout le stress qui est embêtant. Axeblade, 4 points de dégâts. Bon, Toz va survivre, c'est bon. Est-ce que j'utilise Zealous Accusation pour en essayant de faire 8 points de dégâts, ou est-ce que j'assure le kill en utilisant Smite, qui fait au minimum 8 points de dégâts. Je vais essayer de Zealous Accusation. Ah, et j'ai pas réussi à faire 8 points de dégâts, dommage. Bon, c'est pas grave, Toz va pouvoir achever. Bien joué, Toz. Lui, il va encore tenter. Encore Cal, décidément. Hop, je pense que là, je peux me le permettre. Waouh, double kill. Bien joué. Double, pas double. Et lui, comme il est devant, il peut plus rien faire. En plus, il est empoisonné, il va mourir du poison au prochain tour. Donc, autant utiliser Roux pour guérir toute la team. De 1 point. Bon, c'est pas terrible. C'est quelque chose quand même. Et je vais prendre le kill. J'ai récupéré plein de bidules pour améliorer la ville, c'est bien. Et je vais pouvoir ouvrir ce coffre. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des skeleton keys, parce que si on l'ouvre tel quel, on peut se prendre des dégâts, ou se prendre un piège, ou quoi que ce soit. Alors que avec la clé, ça n'a pas marché. Bon, je vais essayer de l'ouvrir tel quel. Ah, ça lui a ajouté un trait de caractère, la thanatophobie, qu'est-ce que ça fait? Moins 20% de résistance au stress quand il est en dessous de 50% de sa vie. Bon, c'est mauvais, mais... Je pourrais le supporter, c'est bon. Là, il y a un héros qui a réussi à scouter la map, donc je sais ce qui va se passer. Du coup, je vais revenir au point de départ. Ouch. Ça, il l'avait pas vu venir. Ah, mais je crois qu'il a dodge. Donc ça va. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé pour le... pour ce premier épisode, c'est dommage. Hop, on va aller vers le haut. Et on sait qu'il y a... Bon, on va manger. On sait qu'il y aura un trésor et un piège. Le trésor, c'est ça, c'est la caisse. Pas forcément un trésor, mais quelque chose à loot. Et un trap qui est juste là. Alors, on peut désarmer les traps, et certains héros sont meilleurs que d'autres pour désarmer. Je pense que le voleur doit être le mieux placé, mais il a raté. Et du coup, il s'est pris 6 points de dégâts et du stress. Ma torche est en train de s'éteindre, il va falloir que j'en utilise d'autres. Toc toc. Si je laisse la lumière s'éteindre, les ennemis vont devenir plus forts, donc on va éviter. Hop. Il n'y avait rien dans cette salle, ça fait plaisir. Toz, il va lire un livre. Ah, et apparemment, ça lui plaît pas trop. 30 ! Ouh, c'est mauvais, ça. C'est très très mauvais, un piège, boys. J'en prends plein la figure. Bon, au moins, il n'y a pas d'ennemis dans les salles. Encore des heirlooms. Ah ah ! Ah, c'est parti. Oh, je les ai surpris, c'est bon. J'aurai le temps de tuer quelques ennemis avant de... avant d'avoir affaire à leur coup. Du coup... Je le ferais bien heal un petit coup. Ou alors j'essaye d'avoir le kill rapide. Ouais, ça peut être mieux. Ah, il a pas réussi à kill ce nul. Plague Grenade, ça peut être bien. Hop, comme ça. Il y en a un qui est empoisonné. Cal, il va faire un double kill. Et du coup, maintenant, ces ennemis-là sont plus vraiment utiles, maintenant qu'ils sont si près de moi. Donc au lieu d'utiliser leurs flèches, ils sont obligés d'utiliser la baïonnette qui fait beaucoup moins de dégâts. Roux, tu vas healer tout le monde. Pour 2, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et toi, c'est pas... Fais ton truc.
Les morts vivants peuvent pas saigner, ça c'est dommage. Pouk. Par contre, ils peuvent être empoisonnés. Je pense que celui-là va mourir du poison, donc autant se charger de son collègue. Pouk. Ah non, c'est Roux qui commence. Bon, il va encore de Will. Hop, celui-là il est mort de poison. Vas-y, mets-moi un petit coup de baïonnette. Oh, 2 points de dégâts. C'est bien, Toz va prendre le kill, ça va un petit peu le calmer. Même pas. Rien de calme, Toz. Alerte. Du loot. De la nourriture, de l'onyx et de l'or, c'est bien. Je vais rallumer ma torche avant d'entrer dans la salle parce que... Il se pourrait qu'il y ait... Oh, j'ai plus beaucoup de torches. Il se pourrait qu'il y ait des ennemis. Et il y en a. Encore augmenter le stress de Cal. Ça commence à être à un niveau critique là. On va heal. Pour un point, c'est vraiment pas terrible. Ah, 6 points de dégâts, c'est beaucoup. Je vais essayer de kill ce mec. Waouh. Ok. Merci, Toz. Bon bah c'est bien, bien joué Roux. What the hell? Mon équipe est en mode rampage. Bien joué les potes. Je vais tuer ce mec là parce que c'est lui le plus dangereux maintenant que lui est en deuxième position, il peut plus faire grand chose. Oh, bon on peut pas réussir à tous les coups. 2 points de dégâts, boum. Aïe, ouais, ça va dans les deux sens, hein, les coups critiques. Et il a failli mettre, Toz à 0 HP, ça aurait été dommage. Ah, achète-toi des lunettes, moi. Ok. Hop, lui il va mourir du poison, je pense. Ah non, il a encore 3 points de vie. C'est un peu trop pour mourir du poison. Ah, Toz! Fais pas le débile. C'est pas le moment. Est-ce que je tue l'arbalétrier? Je vais tuer lui parce qu'il a pas encore joué ce tour-ci. Hop. Il est pas mort mais avec le poison. Ça sera bientôt le cas. De toute façon, Cal va faire le double kill. Voilà. C'est... Un point de vie, c'est pas beaucoup quand même. Ah, et j'ai le droit de scouter. Donc je sais qu'il y aura pas de combat sur le chemin, qu'il y aura pas de piège, donc ouais, je suis pas inquiet. Ah, par contre, il y a ça. Et ça va, j'ai une pelle pour dégager le chemin, sinon je me serais fait... J'aurais eu des soucis. Ça c'est un mécanisme piégé, mais si j'ai une clé, ça me donnera l'intérieur. Et j'ai une clé. Si j'avais essayé de l'ouvrir sans la clé, je me serais pris un bleed ou quelque chose du genre. Alors, a priori, il n'y a pas de combat. Si, il va y avoir un combat. S'il y a un coffre, il y a un combat souvent. Oh, tente-moi tant que tu veux, je suis pas stressé moi. Enfin pour l'instant. Je vais faire une plague grenade sur ces deux gars. Comme ça, le temps qu'on les atteigne, ils auront perdu pas mal de vie à cause du poison. Ah, Toz est à 0 HP. Ah, ah ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un héros est à 0 HP? Il atteint les portes de la mort et quand il est dans cet état, il a des négativités des pénalités et du coup à chaque fois qu'il est en plus à chaque fois qu'il se prend un dégât il a une chance de mourir pour toujours donc il faut le sortir des portes de la mort aussi vite que possible et ça va être le boulot de Roux. Donc j'espère que Roux joue bientôt sinon c'est le caca. 1-2 c'est vraiment pas beaucoup mais... Oh non 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 non. Ouh il a dodge. Non arrêtez de le viser. Bien joué, Toz. Ouais, allez, on peut le sortir des portes de la mort. Même avec un dégât, ça suffit. Est-ce que... Oui, ça pourrait suffire. Ah, Cal, c'est pas le moment de rater. Bon, du moment qu'ils attaquent pas Toz, moi je suis content. Oh oh.
93 de stress, 98 de stress. 5-5-5, c'est bien. Ça commence à être un petit peu short, ça là. Il est temps que la mission se termine. Ouais, vas-y, attaque-moi, c'est bien. Il m'en fiche. Attaque Cal, c'est bien. Cal, de toute façon, il dodge tout, c'est un surhomme. Moi, je vais continuer de m'occuper des gens derrière. Et Cal va prendre le double kill, voilà. Bon, ce combat va bien se passer au final. C'était pas assuré, mais ça ira. Ah, Roux a le temps de mettre un dernier petit heal. Et voilà. Alors, t'écoles. Et on a terminé la mission, donc je vais pouvoir me casser sans demander mon reste, parce qu'il reste une salle, mais j'ai pas envie de prendre de risques supplémentaires. Le seul risque supplémentaire que je vais prendre, ce sera de fouiller ce trésor sans avoir de clé. Et c'est piégé. Ah, et du coup, je suis empoisonné, mais c'est pas grave, la mission est terminée de toute façon. Voilà. C'était juste. Toz aurait pu mourir une paire de fois. Mais bon, il s'en est bien sorti. Autant sur l'attaque que sur la survie, je pense que ça va être un de nos bons éléments, le petit Toz. Toc. Alors, les deux qui n'avaient pas encore passé le niveau 1 l'ont passé, et il y a trois personnes qui ont des nouvelles caractéristiques. Toz, Yero, yaya. Il a des hallucinations, ok, c'est bien son genre. Si la lumière est haute, il a plus de vitesse. Ah, ça c'est bien. Roux, il adore les blessures, les cicatrices et la torture. On en apprend tous les jours. Et moi, je suis maladroit. J'ai moins 5 en dodge, bon ça m'étonne même pas. Et j'adore tuer les gens. J'aurai plus de précision et plus de critique sur les hommes. Ok. Bon, c'est pas des traits de caractère très néfastes, mais c'est pas mal. Bon, voilà, on va terminer cet épisode ici, mais avant tout, je vous rappelle que, comme il y a une semaine qui s'est passée, il y a 4 nouveaux héros qui sont entrés dans la petite maison des héros. Et je vous rappelle que ça peut être vous, ces héros. Donc si vous voulez participer à cette grande aventure, n'hésitez pas à commenter en dessous de mon commentaire. Et bah, premier commenté, premier servi, vous ferez partie de cette grande aventure. Donc est-ce que vous voulez être un évêque, un joker, un héliron, un occultiste, enfin bref. Je sais pas si je pourrais vous donner le rôle que vous voulez, mais déjà participer à l'aventure, ce sera rigolo, non? Allez, j'attends vraiment vos commentaires, ça sera marrant. Allez, salut tout le monde. Et... j'oubliais. ce jeu a pas beaucoup de publicité en France pour l'instant, donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Bon, ça me fera de la publicité aussi, mais bon. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, vos amis gamers, etc. Ou alors votre mère, votre chien, votre chat, je m'en fiche. Ce jeu mérite vraiment d'avoir une bonne communauté, comme Isaac, par exemple. Parce qu'il est très complet, même pour un Early Access, il est vraiment très complet. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais qu'aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans les pays anglophones, ça marche très très bien. Le jeu a un accueil extrêmement positif, comme on en a rarement vu. Et je crois que ces développeurs vont vraiment bien le développer. Ils vont rajouter plein de choses. Donc voilà, j'ai besoin de vous pour promouvoir ce jeu. Allez, salut tout le monde, et n'oubliez pas pour les petits commentaires en dessous.